Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko est un boxeur français né le 4 juillet 1991 à Dakar au Sénégal. Il commence la boxe à l'âge de 14 ans en 2005-2006 et passe par le Boxing Athletic Club du 9e, Tanfranc Bagnolet et l'INSEP. Sissoko a un palmarès plus que fourni en amateur. Il a été médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie, champion du monde universitaire, 5 fois champion de France et médaillé de bronze au JO 2016. Il comptabilise plus de 150 combats amateurs dans les catégories poids léger et welter et il passe professionnel en 2017. Buen asalto para los dos. Y para el único mucho mejor. Qui aime l'Azur Arena se lève. Ah oui, le fameux focus. Guardia enemiga. También falló con el jab, Sissoko. Pero no con la derecha. Vaya. Con el cuerpo, el alma y el corazón por delante, también los puños. Allez, bon. Oui, oh, le doublé, triplé, percute. Et pour faire vaciller Georgia. Le travail au corps pour faire baisser la garde, il a encore jailli avec cette droite, Sissoko. Oui, oh, quelle droite, superbe. Fin du gauche en bas, droite en haut. Souleymane Sissoko mesure 1m79 pour une envergure d'1m79. Il a combattu chez les poids super welter et là aujourd'hui il combat chez les poids welter. Dans son palmarès professionnel, il y a le championnat de France et le championnat intercontinental WBA qu'il a gagné dans la catégorie des poids super welter. Comment je pourrais décrire Souleymane Sissoko en 3 mots? Défensif, académique et tacticien. Et ses points forts, pour moi, c'est sa boxe en ligne, sa défense et son intelligence du ring. Et voilà, nous y sommes, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et il y a plusieurs façons de le manifester. D'abord, la plus simple, c'est de liker la vidéo. Si vous avez des suggestions, des conseils ou des critiques à émettre, il y a l'espace commentaire.
Si vous voulez propulser mon travail via vos réseaux sociaux, il y a l'option partage. Et surtout, la meilleure manière de me donner de la force est de s'abonner et d'activer la cloche.